Bonjour à tous, je suis avec Emmanuel Soulard. Je suis ravi de t'avoir, Emmanuel, parce que tu es intervenu dans notre dernier sommet, aussi bien dans ton expertise de livre que sur la partie mindset. J'étais vraiment impressionné aussi par non seulement le fond, mais la forme, ton franc-parler, mais ton énergie. Donc, merci d'être là dans le podcast. Merci de nous faire part de ton expertise sur la partie livre. On va parler de mindset, mais on va parler aussi de beaucoup de choses. Donc, Emmanuel, si tu veux bien te présenter un peu, raconter ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Ling. Écoute, c'est un vrai bonheur d'être ici avec toi. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emmanuel Soulard. Donc, je suis entrepreneur du web depuis maintenant un sacré paquet d'années. Je fais un peu partie des dinosaures du web, même si on ne me connaît pas forcément beaucoup. J'ai travaillé en tant que directrice marketing pour des grands noms du web francophone et du marketing digital depuis de nombreuses années. Et à l'heure actuelle, je suis surtout en train de développer deux activités. La première, c'est une école d'écriture de livres et de marketing du livre, où on accompagne à l'heure actuelle plus de 2000 auteurs à écrire, publier et vendre leurs livres. Voilà. Et il y a une deuxième activité où je suis consultante et directrice marketing en marketing digital pour des grosses entreprises qui font plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et voilà, je suis un peu à la manette pour gérer leur équipe, prendre les décisions stratégiques et développer financièrement, en tout cas, les process de vente des produits digitaux. Voilà. Et alors Emmanuel, merci pour cette présentation. Moi, il y a une chose qui m'impressionne chez toi et je pense qu'il va être hyper intéressant, c'est que souvent, pour caricaturer, hein, on a les gens sur le web qui aiment l'argent et le marketing et les gens qui sont dans le dev perso et le mindset. On a rarement les deux. Toi, tu as un peu les deux ou beaucoup les deux. Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus sur pourquoi déjà il y a autant d'extrêmes et comment ça se fait que toi, tu as réussi à joindre les deux et à trouver cet alignement entre business et dev perso, mindset et épanouissement personnel? En fait, moi, mon credo, c'est fondamentalement que les gens, ils ont une énorme valeur intérieure. Pour moi, il y a une particule à l'intérieur de chacun de nous. Et je prends carrément le positionnement de dire que c'est une particule de nature divine et que ça, c'est une valeur qui est exceptionnelle. Et la majorité des gens, un, n'ont pas conscience de ça, et deux, quand ils en ont conscience, ne sont pas capables de la monétiser. Or, tout est lié. Quand on est au cœur des choses, quand on est au cœur de l'histoire de chacune des personnes, on arrive à mettre le doigt sur les mots qui caractérisent cette chose-là. Et on arrive justement, une fois qu'on sait en parler, ben on arrive, ça découle naturellement de la matérialiser en ce monde. C'est finalement notre mission sur Terre à chacun d'entre nous. La problématique des gens qui sont principalement dans l'argent, c'est parce qu'ils ne sont pas poussés par ça, ils sont poussés par le manque et ils sont poussés par leur peur. Et quand on travaille sur le manque et sur la peur, on n'est pas poussé par le divin, on est poussé par exactement l'opposé de ça, en fait. Donc, quand on travaille sur les manques et sur les peurs, ben, il y a des gens qui peuvent avoir de très, très belles réussites, hein, dans ce domaine-là et gagner beaucoup d'argent. Mais le problématique, c'est que quand on est poussé par le manque et par la peur, ben, finalement, la quantité d'argent que vous pouvez gagner, ça ne sera jamais suffisant. Donc, il en faudra toujours plus parce que finalement, on n'arrivera jamais à combler le vide qui est à l'intérieur de vous-même. Tandis que y a d'autres personnes qui sont uniquement dans le développement personnel et dans la spiritualité. Et là, la problématique, c'est que justement, ils ne sont plus en lien avec la matérialité de ce monde. C'est-à-dire qu'effectivement, ils montent leurs objectifs, ils se connectent au divin, mais finalement, ils perdent de vue qu'on est avant tout des corps, on est avant tout matériel, on est avant tout des incarnations sur la Terre. Et donc, ces gens-là, en fait, ils sont trop dans l'immatérialité et donc, ils n'arrivent pas non plus à la connecter à la matérialité. En fait, effectivement, il y a vraiment ce shift d'état d'esprit qu'il faut avoir, ce recul qu'il faut avoir sur soi-même pour aller chercher le cœur de ce qu'on est fondamentalement et arriver à le conceptualiser, arriver à le toucher du doigt, arriver à le comprendre, arriver à toucher quelle est notre vérité intérieure. Et à ce moment-là, en fait, on comprend, tout devient parfaitement limpide sur ben, comment est-ce qu'on peut apporter au monde ça. Parce que finalement, notre vraie mission, c'est pas de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir se mettre les doigts de pied en éventail autour d'une piscine. La vraie mission de chacun d'entre nous, c'est contribuer en fait au monde, contribuer à aider son prochain, contribuer à faire que le monde aille mieux. Voilà. Et comment est-ce que j'ai réussi à faire ça? J'en sais rien. J'ai énormément travaillé à la fois sur moi, à la fois sur des lectures qui sont extrêmement disparates. Ça va depuis les structures scénaristiques jusqu'à la cabale. Et en fait,
ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai trouvé ma propre vérité, on va dire, d'une certaine façon. Et ce que je fais depuis que je me suis lancée sur le net, c'est ni plus ni moins que d'aller à la rencontre des personnes qui viennent à moi et de les aider à raconter leur propre histoire. Et là, avec plus de 2000 auteurs accompagnés, avec plusieurs milliers d'entrepreneurs accompagnés également, parce que j'ai accompagné plus de 2000 entrepreneurs à digitaliser leur activité sur le web. Mais en fait, on finit, une fois d'avoir répété le processus plusieurs milliers de fois successifs, on finit par trouver des caractéristiques, on finit par trouver un cheminement commun. Et ce cheminement commun, il est tout simplement dans ce que j'appelle la thématique, en fait. L'histoire de chacune des personnes, votre histoire, les choses que vous avez vécues, ben, vous ne les avez pas vécues par hasard et elles ont fait de vous un être unique, en fait. Et quand on regarde ce que vous avez vécu, en tout cas ce qui reste dans votre mémoire comme les choses les plus fondamentales de vous, les choses les plus importantes, et quand on va comprendre ce qui s'est passé, désamorcer les douleurs qui y sont liées, faire le processus de deuil et en tirer un enseignement, ben, c'est là où on retrouve le cœur de chaque personne. Et ce process-là, en fait, cette compréhension-là, elle fait que chaque personne comprend exactement pourquoi il lui est arrivé ce qui est arrivé et comment ne plus tomber toujours dans les mêmes schémas. Il y a des femmes avec qui j'interagis qui passent leur temps, pardon, qui passent leur temps à se marier avec des pervers narcissiques. Il y a des entrepreneurs qui montent des gros business à plusieurs millions et puis qui les font s'effondrer dans la foulée. Il y a toujours des schémas qui peuvent être répétitifs. Et les gens, toujours, ils viennent me voir, mais comment ça se fait? Je vis toujours la même chose. Tu vis toujours la même chose parce que tu redoubles. T'as pas appris l'enseignement de la première fois de ce que tu as vécu. Donc, il faut qu'on fasse ce travail de deuil-là, il faut qu'on fasse ce travail de compréhension-là, il faut un petit peu de recul sur ce que tu as vécu. Et une fois que tu as mis les mots dessus, bah, tu vas comprendre. Et c'est là où tu vas en tirer, bah, tout simplement le fait de comprendre fondamentalement ce qu'il y a au fond de toi. Et quand on comprend ça, bah, il en découle directement le bah, ouais, mais c'est ça qu'il faut que je fasse de ma vie, quoi. Voilà. Merci Emmanuel pour ça. Est-ce que tu veux bien nous ouvrir un peu les portes des coulisses de ton business pour nous aider aussi, nous inspirer à vouloir cette abondance? Parce que souvent les gens confondent développer un business et juste gagner de l'argent. Mais en fait, ce n'est pas une histoire de l'argent. Toi, développer ce business-là, ça t'apporte quoi? Si quelqu'un, c'est un enfant de 10 ans, disait, Tata, ça sert à quoi créer un business aussi grand? Tu pourrais pas juste prendre ton argent et partir en vacances? Qu'est-ce que tu dirais? Pourquoi ça sert à quoi tout ce que tu fais? En fait, ça ne me sert pas à moi. Je dis souvent à mes auteurs, et là je retombe dans le domaine du livre, hein, le premier livre, on l'écrit pour soi, pour se prouver qu'on est capable d'écrire un livre et parce qu'on ne l'a jamais fait. Le deuxième livre, on l'écrit pour nos lecteurs parce qu'ils nous le demandent. Et en fait, les business, c'est un peu comme ça. Le premier business, on le crée parce qu'on veut parfois se prouver qu'on est capable d'être entrepreneur, parce que c'est un domaine qu'on ne connaît pas, etc. Mais une fois qu'on a créé le premier business, mais finalement créé les business supplémentaires, pourquoi on les fait? Ben, on les fait rarement pour soi-même. On les fait très précisément pour les gens à qui on vend les produits. En fait, ces gens-là, c'est ni plus ni moins les personnes qu'on était il y a quelques années. Et on a créé le produit parce qu'on voulait aider la personne qu'on était il y a quelques années. Et donc finalement, on essaye d'aider ces personnes-là et c'est une façon de s'aider soi-même. C'est une question qui est vachement intéressante parce que finalement, on peut se demander où commence l'altruisme et où se termine l'égoïsme. Et ça, c'est une question qui est 100% philosophique. Parce que même les gens qui sont 100% altruistes, je ne sais pas, il aurait fallu demander à Mère Teresa si elle était toujours là en fait. Est-ce qu'elle faisait ça uniquement pour elle? Est-ce qu'elle faisait ça pour servir Dieu? Est-ce qu'elle faisait ça pour servir les gens avec qui elle servait? Et si elle le faisait, est-ce que c'était pour être reconnue en tant que telle? C'est toujours une question qui est fondamentale. Finalement, est-ce qu'on peut être altruiste? Et est-ce qu'on n'est pas toujours quelque part un petit peu égoïste dans nos intentions? Donc la réponse que je vais te faire, en fait, il y a deux types de réponses. Il y a cette réponse-là qui est presque philosophique, où finalement, je n'ai pas de réponse à apporter parce que c'est jamais tout noir ou tout blanc, hein, les réponses philosophiques de toute façon. Et puis, il y a la réponse 100% pragmatique. La réponse 100% pragmatique, c'est que j'ai fait des grandes études, j'ai un doctorat en thérapie génique et imagerie médicale interventionnelle, j'ai un MBA en intelligence économique, j'ai travaillé à l'international en tant que chercheur en cancérologie. Et en fait, j'ai passé de longues années de ma vie à pas réussir à trouver d'emploi, tout simplement. À être obligée à jeter mes diplômes à la poubelle parce que personne ne voulait m'embaucher,
à accepter des postes très mal payés, très bas de gamme. J'ai fait vendeuse en boulangerie, j'ai fait manutentionnaire dans la grande distribution, j'ai fait agent d'appel sur les plateaux d'appel, hein, sur les gens qui vous téléphonent tous les jours pour vous vendre un nouveau forfait téléphonique, etc. J'ai fait ce type de boulot. Et j'avoue que ma vie a vraiment fondamentalement changé à partir du moment où j'ai fait deux choses. La première chose, c'est que je me suis focalisée sur les choses qui me plaisaient. Et non pas à me dire, bon, ben, comment je fais pour avoir un boulot qui me paye bien et où finalement je pourrais avoir beaucoup de vacances et beaucoup d'argent. Ça, c'est une erreur fondamentale parce que si finalement le seul attrait du job que vous choisissez, c'est le nombre de temps que vous n'y passez pas et la somme d'argent que vous pouvez en tirer pour ne pas y rester, ben, finalement, vous ne choisissez pas ce boulot pour la bonne raison. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'était effectivement quand j'ai réussi à apprendre à valoriser ce que je crée. Parce que tout le monde peut écrire un bouquin exceptionnel et tout le monde peut écrire un chef-d'œuvre. Ça peut arriver. Mais finalement, il restera lettre morte si on ne sait pas le monétiser. Donc en fait, il y a eu ces dimensions. Moi, j'ai toujours appris à apprendre. Et puis surtout, chaque fois que je me suis lancée dans un domaine, c'était toujours avec l'objectif d'être la meilleure au monde dans ce domaine-là. Je sais pas si l'objectif était atteint systématiquement, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, ça a toujours été mon objectif et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Et quand on se met dans cet état d'esprit-là et quand on fonctionne dans cet état d'esprit-là, ben finalement, la réussite, elle découle tôt ou tard du travail accompli. Donc voilà, il suffit de faire le job, avoir foi en soi, beaucoup travailler et surtout ne pas attendre trop vite et les choses arrivent. J'observe chez beaucoup de mes clients et notamment mes clientes, comme toi, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup cette peur de réussir. Toi, ça ne semble pas être quelque chose que tu as. Pourquoi cette peur de réussir, existe selon toi, selon ton expérience? Pourquoi il y a des gens qui se sabotent alors qu'ils ont tout pour réussir? Le premier produit que j'ai créé dans le monde, c'était Accomplissez votre légende personnelle. Donc, c'était un produit qui apprenait aux gens à parler d'eux-mêmes, à raconter leur histoire sous différents formats, un format long et un format très court, un pitch pour raconter qui ils sont finalement et faire comprendre un petit peu leur parcours et le pourquoi de ce qu'ils font en fait. La majorité des gens qui s'auto-sabotent, en fait, ils ont un problème d'image personnelle. Parce que finalement, ils ont construit leur image non pas sur ce qu'ils avaient à l'intérieur, mais sur ce qu'ils voulaient que les gens qu'ils aiment pensent d'eux-mêmes. Traduction. On commence tous notre vie en tant que petit enfant avec des parents, et on commence toute notre vie, tous notre vie en voulant plaire à nos parents, tout simplement. Donc, la majorité des gens commencent leur vie en choisissant un travail, non pas qui corresponde à ce qu'ils sont, mais qui corresponde à l'image de la réussite de leurs parents. Et la problématique, c'est que parfois, en fait, quand il y a des grosses rancœurs, quand il y a des gros deuils, quand il y a eu des douleurs qui sont énormes, ben en fait, cette image de la réussite n'est pas compatible avec la personne telle qu'elle est fondamentalement. Ou en tout cas, elle est en conflit larvé, en conflit non avoué, en tout cas, des choses qui ne sont pas réglées d'un point de vue émotionnel avec cette autorité parentale, avec cette image parentale. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la personne? Elle va se lancer dans une branche, dans une dimension, dans un travail, dans un projet, avec l'objectif de réussir, bien sûr, mais de réussir non pas pour être elle-même, mais réussir pour plaire à quelqu'un. Et quand on fait ça, en fait, la problématique, c'est que souvent, on s'auto-sabote. Pourquoi? Parce qu'on a mémorisé dans nos têtes des phrases assassines, du genre ouais, mais tu n'y arriveras jamais, mais tu es peut-être un petit peu en dehors de ta zone de confort quand même. Voilà. Ou alors, tu es sûr que tu as bien travaillé ça? Ouais, mais ça ne te ressemble pas du tout. Ça. Voilà, ça, ce sont des petites phrases assassines que les gens autour de nous disent avec beaucoup d'amour, hein, sans vraiment penser à mal, mais qui, nous, en fait, peuvent complètement s'imprégner dans notre esprit. Et en tout cas dans notre inconscient, et faire que notre inconscient va faire un maximum de choses pour nous empêcher de réussir. Waouh, c'est passionnant. Et comment on s'en sort? Comment Ouais, on est entrepreneur et coach? bah, il faut travailler sa propre histoire, en fait. Il faut arriver dans sa propre vérité. Donc, quelque part, ces gens-là, ils se mettent la tête dans le guidon, ils pédalent comme des fous, et ben voilà, ils travaillent, 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 et puis en fait, ils vont faire des erreurs conscientes ou inconscientes, très souvent inconscientes. En tout cas, la destinée va leur mettre sous le nez des choix, des choses à faire, des choses, des possibilités, et ils vont systématiquement faire le mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas poussés par justement leur lumière intérieure. Ils sont poussés par leur névrose, ils sont poussés par leur psychose, ils sont poussés par les choses qu'ils n'ont pas réglées dans leur passé.
Donc, il faut écrire sa propre histoire, il faut la travailler avec un coach qui a du recul dessus, un coach qui va avoir la donnée analytique et qui va lui dire, bon, ok, tu vois là, tu utilises tel mot, tu mets telle phrase, la chose que tu as mise en avant avant toute chose, c'était ça. Donc, ce que tu n'as pas réglé, c'est ça. Et ça, c'est un travail qui est très douloureux. C'est un travail qui fait mal. Je le dis clairement, hein, c'est vraiment affreux. Parce qu'on est obligé de se déconstruire pour se reconstruire. La chenille, pour devenir un papillon, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, déjà, elle mange beaucoup pour devenir bien grosse. Donc, elle accumule plein de choses de son environnement. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met dans un cocon. Elle s'isole complètement. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, en fait, elle ne va pas faire pousser une patte et une aile comme ça, hein. Elle va détruire l'intégralité de ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle va s'auto-digérer une cellule, une chenille dans sa cellule, dans son cocon. À un moment, si vous l'ouvrez, vous allez avoir du liquide qui va couler parce que la chenille se sera intégralement liquéfiée. Elle ne gardera que trois îlots de cellules qui s'appellent les disques imaginaux. Et c'est à partir de ces trois îlots de cellules qu'elle va recréer l'intégralité du papillon. Eh ben, c'est un process qui est 100% naturel, qui se passe sous votre nez tous les printemps à des milliards d'exemplaires dans la nature et dont vous n'avez pas conscience. Eh ben, c'est un process qui fonctionne exactement comme ça pour nous d'un point de vue psychologique. On a besoin, quand on est enfant et qu'on veut devenir adulte, de se transformer depuis la petite chenille qui est toute gentille, toute mignonne sur sa petite feuille, à un papillon qui est capable de voler pendant des milliers de kilomètres. Et ce papillon-là, cette espèce de splendeur de la nature, qui est un petit bijou de technologie, il faut savoir quand même que les ingénieurs aéronautiques, ils ont pensé à renforcer les bords d'attaque des avions quand ils ont observé les ailes des papillons. C'est quand même pas rien. Parce que les ailes des papillons, le bord d'attaque est renforcé. C'est incroyable. C'est un bijou de technologie, le papillon. Mais pour devenir ce bijou, cette chose hyper spécialisée, extrêmement performante, eh ben en fait, il faut détruire l'intégralité de ce qu'on est. Il faut jeter les béquilles, il faut jeter les cadeaux d'amour que nous ont fait nos parents. Nos parents, ils avaient un chemin de réussite, ils avaient une vie qui était la leur. Et qu'est-ce qu'ils veulent nous donner? Ils veulent nous donner le meilleur chemin, ils veulent nous donner le meilleur d'eux-mêmes, ils veulent qu'on réussisse. Et la seule chose qu'ils peuvent nous léguer, c'est leur chemin de réussite. Eh bien, il faut être capable de dire c'était ton chemin de réussite, mais le monde a changé et je ne suis pas toi. Donc je te me remercie, papa ou maman, mais mon chemin, il sera différent. Et c'est à ce moment-là qu'on devient ce papillon. Mais ça demande de se détruire intégralement. C'est Carl Gustav Jung qui disait ça, en fait. La seule chose qui nous permet de réellement nous transformer en ce monde, ce sont nos douleurs. Et il rajoutait, et je suis atterrée de voir les efforts que font la majorité des gens pour éviter de se confronter à leur propre douleur, à leur propre part d'ombre. Il appelait ça la part d'ombre. Et c'est extraordinaire quand on fait ce chemin-là, quand on fait ce voyage-là, quand on va aller dans sa vérité, regarder sa profondeur et sa part d'ombre, parce que c'est de là que découle, ben, la plus belle lumière qui soit, la vôtre. Waouh, c'est passionnant et mon interprétation quand j'entends ça et quand tu disais que le premier livre, ça servait surtout à se travailler soi-même. De tous les business que tu aurais pu construire et que tu as peut-être construit, si tu as gardé écrire un livre accrocheur, c'est parce que en fait, c'est un travail où on va développer son business, mais en fait, où on va travailler sur soi. Et c'est ça qui t'intéresse, c'est ça? Est-ce que tu veux en dire un peu plus sur pourquoi écrire un livre quand on est un expert et quand on est coach? Et quelle est la valeur pour soi-même aussi d'écrire un livre? Alors, je ne peux pas lâcher écrire un livre accrocheur parce que j'ai trop de gens qui gravitent autour et j'ai trop de gens qui sont rentrés dedans et qui me disent à chaque fois, merci Emmanuel, tu as changé ma vie. Ça peut paraître hyper prétentieux et je suis désolée, ce n'est vraiment pas l'objectif, mais c'est le cas en fait. Tous les jours, quand je me lève le matin, c'est je vois les témoignages des gens qui sont rentrés dedans et qui me demandent. Et puis je vois aussi les gens qui nous tendent la main et qui nous appellent à l'aide. Et franchement, moi, je peux pas les lâcher, quoi. Donc, quelque part, c'est vrai que je suis appelée à faire parfois enfin, à faire en permanence des grosses missions de consulting pour des grosses boîtes en parallèle, mais je ne peux pas lâcher ce business-là parce qu'on aide les gens, tout simplement, quoi. Voilà. Et je ne le fais pas pour moi, je le fais vraiment pour eux, parce que moi, ce chemin-là, ce travail-là, je l'ai fait. Je veux dire, j'ai même plus le temps d'écrire mes bouquins. J'aimerais bien continuer à le faire, si tu veux, mais Du non, coup, parce que je passe en quoi trop de ça temps à aider diffère les gens, quoi. au-delà de la partie marketing et Ouais. business? Du En coup, fait, c'est ça qui est vraiment intéressant parce qu'un livre, c'est un média qui est exceptionnel. Et d'ailleurs, justement, je vais faire ma prochaine présentation là-dessus. Je vais faire un webinaire à la fin du mois là-dessus sur les NFT, ChatGPT, GTP, le Web3, la blockchain, l'intelligence artificielle et pourquoi, en fait, ces choses-là ne sont pas du tout incompatibles avec le fait d'écrire un livre, même si le livre, il date de Gutenberg, donc il a plusieurs siècles, en fait. Pourquoi? Mais parce qu'en fait,
comment exprimer ça simplement? Le livre, il va être vous, c'est-à-dire il va être votre personnalité, votre façon de parler et les choses que vous dites. Il va être également votre expertise. Et fondamentalement, les experts qui écrivent des livres d'experts, on pense souvent qu'ils sont poussés par l'ego. En fait, c'est faux. D'un point de vue purement technique et purement marketing, un livre, c'est une pépite. Pourquoi? Parce que, alors il y a des études qui le prouvent, on sait que les internautes, leur temps d'attention est inférieur à 4 secondes hein, sur le web à l'heure actuelle. Donc, c'est-à-dire qu'ils swipe, ils swipe, ils swipe, très bien. Comment vous voulez convaincre une personne de votre expertise et de la qualité de ce que vous avez à proposer si elle ne passe que 4 secondes avec vous? C'est impossible. Par contre, pendant ces 4 secondes, il peut être séduit par le titre de votre livre, il peut être séduit par sa couverture, il peut être séduit par son sous-titre, il peut être éventuellement séduit par le résumé s'il prend le temps de le lire et par les avis des témoignages des autres lecteurs. Et il peut dire, OK, alors c'est peut-être ce livre-là correspond peut-être au problème que j'ai, je vais le lire. Donc, il achète le livre et il le lit parce qu'il a payé pour ça. C'est très facile de donner des livres gratuits qui ne seront jamais lus. Comme il a payé, il va lire le livre. Et qu'est-ce qui se passe quand il lit le livre? Eh bien, en fait, pour peu que le livre soit correctement écrit, c'est-à-dire qu'il soit designé, un, pour correspondre à un besoin, et deux, pour que l'information passe sans effort depuis la lecture jusqu'au cerveau. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La personne, en fait, elle va rester dans le livre. Elle va lire l'intégralité du livre. Et elle va donc passer 100, 200, 300, 400 pages à écouter votre voix dans sa tête, à voir vos conseils, à voir votre approche, à voir les témoignages des gens qui ont travaillé avec vous et à voir votre expertise. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe à la fin de ça? Si la personne elle a vraiment le besoin auquel correspond votre expertise, qu'est-ce qu'elle va faire? À la fin du livre, elle va décrocher son téléphone ou elle va taper sur le web les adresses mail que vous lui aurez données et elle va venir se mettre directement en connexion avec vous. Un livre, c'est un outil marketing énorme. Je suis experte en gros hacking, c'est-à-dire je suis experte sur le fait de transformer les internautes en clients. Les outils du gros, en fait, quel est leur but majoritairement? Alors, on parle du pirate funnel, du funnel AARR, etc. Bon, tout ça, c'est du jargon technique. Ils ne servent qu'à une seule chose, faire que le prospect, c'est-à-dire la personne qui n'est pas encore cliente chez vous, passe le maximum de temps avec vous, avec vos mots, avec votre expertise, sous toutes les formes possibles et imaginables, que ce soit en podcast, en vidéo, par écrit, etc. Un livre fait le job. Plutôt que faire des funnels, d'envoyer des tonnes d'emails, de faire des tonnes de vidéos, etc., écrivez un bouquin. La personne, elle va lire le livre, premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, pour peu qu'à l'intérieur du livre, elle ait des passages où elle fait « Waouh !» Ben, en fait, vous avez vraiment gagné sa confiance. Vous avez ancré à l'intérieur de sa mémoire le fait que, un, vous êtes un bon expert. Deux, vous êtes l'expert dont il ou elle a besoin. Et trois, en fait, la personne, elle va passer à l'action. Elle va passer à l'action pour devenir votre client, ni plus ni moins. Et derrière, évidemment, ce sera à vous de closer la vente en fonction du besoin de la personne et des prestations que vous proposez. Mais la majorité du travail sera fait. Pourquoi? Parce qu'elle va venir spontanément à vous en vous disant « c'est avec vous que je veux travailler ». Voilà pourquoi un livre est absolument fondamental. Et voilà pourquoi un livre ne remplacera jamais, en fait, il est en complément, on va dire, de tout ce que vous pouvez faire sur le web, mais il a sa place fondamentalement. Parce que ce n'est pas un outil différent d'un autre, en fait. C'est juste un outil qui a ses caractéristiques propres. Et il y a énormément de gens qui continuent à lire, même s'ils passent leur temps à swiper. Et au contraire, plus vous allez utiliser des canaux sur lesquels les gens ne font que swiper, c'est-à-dire les réseaux sociaux ou ce genre de choses, et plus vous risquez de perdre l'adhésion de vos prospects. Tandis que s'ils ont acheté un livre, qu'ils ont dépensé de l'argent pour ça, et qu'éventuellement, ils ont même le format papier chez eux, ben vous allez vous rendre compte que les gens, là, ils vont prendre le temps de venir à vous, et là, ils vont prendre le temps de vous écouter à vous. Et c'est là où, en fait, tout va se construire dans leur tête. Tout le marketing, en fait, que l'on fait en point de vue digital, se construit à la lecture du livre, s'il est bien construit, évidemment. Super. Et qu'en est-il du bénéfice pour l'auteur interne et sur son mindset de créer un livre? Alors, il y a deux points là-dessus qui sont vraiment intéressants. C'est vrai que quand on dit « bon, je suis un expert, j'écris mon livre d'expert et tout va bien ». En fait, ça ne se passe pas aussi bien que ça en général pour deux raisons. La première raison, c'est quand on est expert, on est focalisé sur son expertise. Donc, on ne va spontanément et inconsciemment que valoriser l'expertise de plus haut niveau. Ce qui, en fait, exclut fondamentalement tous les débutants, tous les gens qui sont le plus à même de bénéficier de votre expertise.
il faut faire un travail de vulgarisation. Et ce travail de vulgarisation, votre cerveau, spontanément, il ne va pas vouloir le faire. Il va même vous empêcher de le faire. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une réaction de rejet émotionnel qui va être sur « Ouais, mais ça va, c'est bon, je le connais par cœur, quoi, ça ne m'intéresse pas. » Voilà. Ça, c'est la problématique de l'expert qui a besoin d'écrire son livre d'expert. C'est que inconsciemment, son cerveau, il va lui dire eh, basta, on va plutôt s'intéresser aux choses qui m'intéressent, donc aux expertises des plus experts. Voilà. Donc là, ça, c'est la problématique, et c'est là où nous, on intervient pour justement aller tirer la quinzaisance, la moelle des os, en fait, de l'expert, qui a parfois besoin d'un petit coup de main pour ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, encore au niveau de l'inconscient, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on écrit son livre d'expert, surtout quand on n'a jamais écrit de livre avant? Ben, en fait, vous allez vous mettre dans un nouvel état d'esprit. C'est-à-dire, vous allez vous mettre dans un état d'esprit de créateur. Un livre, c'est un truc qui est extraordinaire. C'est à l'interface entre la créativité et la structuration analytique. C'est-à-dire, c'est vraiment le mélange entre ben, le dessin et les maths, clairement. Mais il faut un bon mélange pour faire un bon livre. Donc, du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, vous avez ceux qui sont extrêmement analytiques, qui vont faire un livre qui va être ben, un peu compliqué à lire et qui va être un petit peu un catalogue, voire même un annuaire. Donc, ça, c'est difficile. Et il y a ceux qui sont 100% créatifs, qui vont partir à fond, pratiquement dans un roman, et qui vont passer à côté de leur sujet. Donc, en fait, nous, on est là pour faire que ben, l'inconscient ne vienne pas trop se mêler de tout ça et qu'on puisse avoir une belle structure. Et puis, finalement, l'inconscient, quand on n'est pas créatif dans son travail habituellement, il va trouver là une échappatoire, une porte de sortie. C'est « Ah bon sang, j'ai plein de trucs à dire. » Et comment fait l'inconscient pour dire les trucs? En général, il utilise toute la créativité qu'on peut avoir. Là, il peut l'exprimer par le corps, par le sport, il peut l'exprimer par le dessin, il peut l'exprimer par la musique, grosso modo, par toutes les activités de créativité que l'on a. Mais il y a certaines personnes qui ont focalisé leur vie en dehors des activités créatrices et qui disent « Je ne suis pas un bon créateur. » En fait, ces personnes-là, elles sont un petit peu en coupure par rapport à leur inconscient. Et leur inconscient, il est un petit peu en train de frapper à la porte en disant hey, j'ai plein de trucs à te dire là, mais t'écoutes pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on va commencer à écrire le bouquin? Ben, il y a une partie créative. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'inconscient? Ben, l'inconscient, tous les jours, il va se dire hey, regarde, il crée là. J'ai un truc. Regarde, on va mettre des trucs. Allez, on balance. Il y a une ouverture. C'est un peu comme un barrage où il y a une fissure. Hein. Ben, en fait, la poids de l'eau va faire que la fissure va s'ouvrir et que derrière, en fait, il va arriver sur la page des choses que vous n'aviez absolument pas envie ni conscience que vous aviez au fond de vous. Et en fait, vous vous retrouvez à écrire votre biographie au lieu d'écrire votre livre d'expert. Et puis, en fait, vous finissez par mettre sur la page des choses hyper personnelles et même vous fondez en larmes, vous vous mettez en rogne ou alors vous vous mettez à avoir une page blanche que vous êtes incapable de réécrire dessus. Tout ça, c'est 100% émotionnel. C'est 100% les problématiques émotionnelles internes qui ne sont pas réglées. Et c'est 100% là où nous, on intervient. On vient faire les petits bobos de l'âme. On vient vous aider à écrire des choses que vous avez besoin de sortir avant d'écrire votre livre d'expert. Et là, c'est là où on fait effectivement tout le process dont j'ai parlé au début de cette interview, c'est-à-dire d'aller chercher la lumière de la personne, d'aller l'aider en fait à faire les deuils non faits, d'aller l'aider à aller chercher dans cet émotionnel la compréhension de qui ils sont fondamentalement. Waouh, c'est passionnant. Et est-ce qu'aujourd'hui, un coach, quand il écrit un livre d'expert par rapport à d'autres types d'entrepreneurs, est-ce qu'il y a une manière de l'écrire qui devrait être différente et propre au coach, selon toi? Alors, en fait, il y a une manière d'écrire propre à chaque livre. Quand on écrit un roman, on peut se permettre de rester un petit peu dans le fantasme au démarrage, on peut travailler beaucoup dans l'émotionnel et après, on fait une approche analytique, même s'il y a des personnes qui font l'inverse, qui commencent par faire un bon plan et puis après qui se mettent à lâcher la créativité pour nourrir un petit peu leur récit. Quand on écrit une biographie, on va être vraiment dans cette dimension-là très émotionnelle, très personnelle de son histoire personnelle. Donc, en fait, il va y avoir ce vrai travail de guérison. Et en général, on ne publie pas l'intégralité de ce qu'on a mis sur le papier quand on écrit brouillon la biographie, parce qu'il faut que tout ce qui soit publié, en fait, soit des choses qui soient déjà nettoyées, cicatrisées et bien propres. On ne publie pas ces douleurs encore actives. Et quand on est coach, en fait, il y a un petit peu de tout ça. Et en plus, il faut rajouter son expertise. Donc, il faut rajouter, en fait, sa connaissance en faisant qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Donc, sa connaissance vulgarisée. Donc, oui, il y a des manières propres d'écrire. Et au-delà de ça, qui est inhérent, en fait, à la nature du livre, il y a aussi des manières d'écrire qui sont inhérentes à la nature de la personne. Vous avez des personnes qui sont extrêmement analytiques, qui vont avoir aucun problème de sortir un plan très régulier, très organisé, etc., et qui vont avoir plus de problèmes dans ce que j'appelle le remplissage, c'est-à-dire en fait dans le storytelling, les choses associées, les connexions émotionnelles.
Et puis, vous allez avoir des personnes qui sont exactement l'inverse de ça, qui sont des experts, mais qui sont un petit peu dans un flou créatif, parce que ce sont des gens qui sont très intuitifs et qui correspondent beaucoup, en fait, à une relation et très émotionnelle avec les personnes qu'ils coachent. Donc, ces gens-là, en fait, il faut les aider à exprimer ce qu'ils ont à exprimer et puis, en fait, de le recadrer dans un cadre qui soit logique, un chemin de progression que puisse faire le lecteur. Le lecteur, il a besoin de ça, en fait. Notre cerveau, il n'a pas 10 000 façons d'enregistrer l'information. Notre cerveau est une grande machine à jeter à la poubelle. L'immense majorité des informations que le cerveau reçoit tous les jours, elles vont partir à la poubelle. Il va les oublier ni plus ni moins. Et ce qui reste, en fait, il va avoir besoin de l'organiser pour le mémoriser. Il a deux types d'organisation. Une organisation soit chronologique, j'ai vécu A, puis j'ai vécu B, puis j'ai vécu C, soit une organisation de causalité. Il se passe le fait A qui déclenche le fait B, qui déclenche le fait C. Ça, c'est rigolo. Non, ça ne déclenche pas la fessée, hein, soyons très clairs. Bref, c'est rigolo, vous avez des trucs comme ça qui marchent très très bien sur Internet où vous voyez des mécanismes où finalement il y a une petite boule qui est déclenchée et puis qui va couler avec la gravité, qui va appuyer sur un bâton, etc. etc. Bah, ça, en fait, ça marche très très bien. Pourquoi ? Parce que ça caresse le cerveau dans le sens du poil. Ce sont des phénomènes de causalité successifs et le cerveau adore ça. Ça, c'est une glace à la vanille pour lui. Donc, quelque part, si vous créez votre livre comme ça, avec une organisation de causalité, avec un chemin de progression personnelle à l'intérieur, mais votre lecteur, il va s'immerger dedans parce que l'information va être très facile à mémoriser et du coup, elle va être actionnable, elle va être utilisable derrière. Il n'y a rien de pire qu'un bottin d'informations qui finalement ne servent à rien. Il faut que l'information serve à quelque chose. On est dans une ère d'infobésité, c'est-à-dire qu'on a trop d'informations partout. Par contre, ce qui tire leur épingle du jeu, c'est quand ils prennent l'information correcte, la bonne information, qui l'enveloppe de l'émotionnel qui est nécessaire pour la rendre attrayante pour le cerveau et qui en font ensuite quelque chose directement actionnable pour la personne. Et l'information, quand elle est dans cette structure-là, en fait, c'est un petit bijou et les personnes qui reçoivent ces informations-là, ben, elles peuvent avancer, progresser dans leur vie. Et là, elles ont effectivement un livre qui les aide à avancer dans leur vie. Okay. Et puis peut-être pour terminer sur cette thématique de livre, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit « Oui, moi, je suis convaincu, je vais écrire un livre, mais on verra dans 3 ans, c'est pas le moment. » Qu'est-ce que tu dirais ? Ah ben en fait c'est dommage parce que c'est un petit peu la personne qui dit ah ouais c'est génial le nouveau funnel marketing qui vient de sortir, paraît qu'il est super bien et qui fait un retour sur investissement x4, ouais ben je l'essaierai dans 6 mois ou dans 1 an quand il sera obsolète en fait. Voilà. Ces gens-là en fait c'est des gens qui procrastinent, donc c'est des gens qui repoussent à demain. Il y a en général plusieurs raisons pour lesquelles on procrastine. Elles sont dans l'extrême majorité du cas 100% émotionnelles. On ne procrastine pas quelque chose qui nous amène des clients, on ne procrastine pas quelque chose qui peut révolutionner notre business, on ne procrastine pas quelque chose qui va nous apprendre énormément sur nous-mêmes et nous transformer au point que ça permette de transformer notre business. Ça, en général, c'est des choses qu'on ne procrastine pas. Si on les procrastine, c'est que en fait, il y a des peurs, il y a des émotions derrière. Il y a des gens qui sont bloqués en termes de syndrome de l'imposteur en termes de procrastination par le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, ils ne veulent pas se dire, parce qu'ils ont l'image de l'auteur qui rayonne, de l'auteur qui est lu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires ou millions d'exemplaires, et ils ont peur de cette célébrité, et c'est tout à fait légitime. Ça, on travaille énormément sur l'estime de soi, l'image personnelle, la construction de son image de soi, la construction de son personnage auteur pour faire sauter ça. Et puis, il y a des gens qui procrastinent aussi parce que, en fait, il y a la peur de réussite telle que tu l'as évoquée donc, au début de cette interview. Donc, je ne vais pas refaire l'explication que j'ai faite au début de l'interview, mais voilà. Et en fait, il y a plein d'autres points sur lesquels, en fait, l'auteur peut procrastiner. En général, il faut échanger avec lui, il faut discuter avec lui, il faut qu'il verbalise les raisons pour lesquelles il ne peut pas le faire. Et souvent, ça, au démarrage, c'est « ouais, mais je n'ai pas le temps ». Et puis, quand on creuse un petit peu, c'est « ouais, mais si je fais ça, il va se produire ça ». Voilà, c'est ce mécanisme-là. « Si je fais ça, il va se produire ça ». C'est ce mécanisme-là qui, en fait, est très délétère. Pourquoi ? Parce que c'est la matérialisation de la peur. C'est la matérialisation du fantasme, de l'image qu'on a dans l'intérieur de nous-mêmes, de l'avenir. Or, personne n'est Madame Irma. Personne ne peut savoir quel est l'avenir. La seule chose qu'on puisse dire par rapport à l'avenir, c'est qu'il n'est pas entre nos mains. La seule chose qui est entre nos mains, c'est ce que l'on fait et comment on le montre au plus grand nombre. Il n'y a que ça qu'on a entre nos mains.
Et que ça réussisse ou que ça ne réussisse pas, ce n'est pas entre nos mains, en fait. Donc, voilà. Et la majorité des gens, ils pensent, mais si je fais ça, il va se passer ça, alors qu'en fait, ils n'en savent rien. C'est Passionnant. là, voilà, c'est là où c'est important de garder son âme d'enfant, parce que finalement, les enfants, ils font les choses sans attendre demain ou sans se poser des questions sur ce qui va se passer derrière. Mais nous, en tant qu'adultes, on se dit, ouais, mais il faut que j'anticipe, tu comprends, parce que c'est comme ça que je maîtrise ma vie. En fait, personne ne maîtrise sa vie. Je veux dire, c'est un truc qui est très clair, les gars, c'est vous avez le contrôle de rien. Personne n'a le contrôle de rien. Je veux dire, la vie, elle arrive. Voilà. Mais après, il Hashtag faut Covid, décider, voilà. hashtag confinement. Exactement. Il faut décider s'il arrive. Tony Robbins a une très belle citation là-dessus. C'est Life does not happen to you, it happens for you. Et en traduction, en fait, c'est pas. La vie, elle arrive, mais elle n'arrive pas comme ça. Elle arrive pour toi. Voilà. Et si on est dans cet état d'esprit, effectivement, les choses arrivent pour nous. Parce qu'on tire un bienfait de chaque chose qui se dresse sur notre chemin. Merci beaucoup Emmanuel. Pour les gens qui veulent en savoir plus, quel est le meilleur endroit que je pourrais mettre en description? Est-ce que c'est sur ta masterclass, ton webinaire, devenir un expert best-seller ou C'est est-ce qu'il y a ça. C'est ça, on voit sur le webinaire expert best-seller. En général, c'est là où effectivement on récupère pas mal de monde. Ils peuvent aussi me trouver avec mon profil LinkedIn, sur Facebook, etc. Après, voilà, il vaut mieux qu'ils aillent sur la masterclass directement parce que là, ils seront enregistrés et s'ils répondent à l'un des mails qu'ils reçoivent, ben, en fait, ils tombent directement sur moi et mon équipe, ou plutôt sur mon équipe et moi-même, et on répond à l'intégralité des mails qu'on reçoit. Donc, voilà, on a vraiment ça à cœur de jamais laisser aucune demande sans réponse. Donc, voilà, vous envoyez un petit mail, dites coucou, j'ai entendu. T'as le podcast de Ling et ben voilà. Et vous nous racontez votre projet, ce que vous avez en tête, ce que vous espérez, ce dont vous avez envie. Et nous, on vous tend la main pour vous aider à réussir, c'est tout. Bah, merci beaucoup pour ça. Donc, on met le lien en description. Emmanuel, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire au coach en mission qui nous écoute? Moi, j'aimerais dire que j'ai un vrai big up pour les coachs parce que c'est des gens qui vouent leur vie à aider les autres. Donc voilà, on est sur une catégorie de personnes qui déjà fondamentalement vouent sa vie à aider les autres. En général, ils aiment bien travailler, ils aiment bien. Voilà, ce sont en général des experts qui sont très qualifiés, c'est très intéressant d'échanger avec eux. J'ai un message à dire aux débutants qui est ayez la foi, croyez en vous et croyez en votre réussite. Elle arrivera peut-être pas demain, mais elle arrivera après-demain si vous continuez à travailler comme vous faites. Donc voilà, et si vous continuez à travailler d'arrache-pied, donc ça c'est vraiment le point fondamental qu'il faut vraiment garder en tête. Il faut avoir cette croyance-là parce que sinon on n'arrive à rien. Et aux coachs qualifiés, j'ai juste à dire ben, bravo. Bravo pour tout le travail que vous avez déjà fait, bravo pour tous les gens que vous avez déjà aidés et bravo pour tous les gens que vous allez aider à nouveau. Parce que finalement, c'est ça. Avoir sa place dans le monde, c'est ça. C'est finalement quel est le Graal que notre histoire nous permet d'apporter aux autres. Voilà. Et si vous avez trouvé ce Graal et si vous êtes en résonance complète avec ça, ben, quelque part, bravo à vous, parce que je sais que c'est un gros chemin pour y arriver. Et c'est génial. Et plus il y aura de gens qui sont dans cet alignement-là, plus il y aura de gens qui apportent ce qu'ils ont de plus beau à apporter au monde, et mieux le monde se portera. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel, c'était Merci à toi. juste génial et hyper pertinent. Merci et à très bientôt. Merci à tous et à bientôt.